Haïti, nous connaissons qui n'a il m'a trois coupes du monde et t'es capable pas arriver et côté arriver hein, si nous t'es arrivé faire un match nul contre l'équipe Jamaïque là, qui était qualifiée pour coupe du monde. Non songe nous t'es perdu contre les sélections américaines là, nous bat équipe Mexique là et puis nous perdu contre l'équipe Jamaïcaine là. Grand pile monde peut-être qui était très dérangé par défaite Haïti contre Jamaïque. Oui, ou gain intérêt pour déranger, mais si vous regardez le match football là, c'était quand même une équipe jamaïcaine qui était de loin plus bon que sélection haïtienne. Parce que très souvent, nous étions focalisés sur l'aspect technique question, mais nous pas regardé l'aspect tactique là, et physique là, et intensité. Donc, l'autre, Khadija Shaw, qui c'est attaquante équipe jamaïcaine là, nous pas capable de marquer. Nous pas capable de marquer. Et il était fait deux goals dans le match football. Ça qui était voué nous aller dans match et barrage. Donc nous avons gagné équipe et football ça qui c'est Sénégal 4-0. Et aujourd'hui, il y a Johnny Neus qui fait la rencontre avec Étoile. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation pour gagner équipe chilienne. Chili qui était perdu dans le match amical contre l'élection argentine. Non? 4 goals à 0. Donc 11 de départ sélection haïtienne a été joué avec Kelly Tejus-Nakan et Bettina Petit Frère, Ketna Lui, et Tabitha Joseph, Claire Constant, Milieu de Terrain, Shirley Jeudi, Jennifer Limage. Et puis, il y a Néglia Mondésir, Melchider Dumoné, et puis Batshiba, avec Roselon Borjula, qui était en pointe pour sélection haïtienne. Là. Donc, Haïti gagne un match de football, ça, c'est ces nouvelles-là, 2 goals et à 1, avec Melchider Dumoné, qui fait tous les 2 goals sélection haïtienne. Youn, dans 47 plus 1, on passe d'ailleurs son action que lui-même lui fait. Lui, à l'origine de l'action, ça, côté que lui bat dans un duel aérien, joueuse équipe chilien. Et puis, le dribblé joueur chilien, lui fait combinaison, une, deux, avec Ouzlo Borjula. Et lui fixé, peut-être au contrôle de trop, mais lui tellement rapide, lui tellement puissant, lui fait frappe croisée. Et pied gauche là, hors de portée, gardienne équipe chilienne. Et deuxième goal là, c'est dans 90 plus 8. On passe de Néguilla Mondésir. Et il fait frappe croisée, c'est de 2 à 0. Bon, Haïti qui prend goal à la 90 plus 8. Réduit l'écart là. Mais nous kembe, nous goumen jusqu'à ce que nous jouions une victoire là. Sous match là en soi, moi jugeais gagner. Il y a un gros problème dans le football haïtien. Et le problème dans le football haïtien, il n'est pas seulement au niveau garçon, mais il est au niveau femme tout. Sur le match de football, ça, on compare avec le match contre l'équipe jamaïcaine. Nous sommes dans le match de football, côté c'est nous-mêmes qui mettons pression sur nous. Oui, l'équipe chilienne, tu as une position ballon, plus de 60% de position de balle pour l'équipe chilienne. Mais, à regarder le match de football, on voit que Chili pas létal dans la dernière partie terrain. C'est pas une équipe qui était extrêmement dangereuse dans la dernière partie terrain, on a parlé de l'équipe chilienne. Et c'est nous-mêmes qui avons baillé Chili ballon. Et, on est capable toujours de transition rapide. Et je pense que, lorsqu'on est au coup de l'épine, qui c'est sélectionneur haïtien, qui sont français, qui a entraîné et Haïti, on pas placé pour me faire une remise en question systématique sur lui. Bien que je suis capable de poser des questions, est-ce que on monte comme Fiorda Scholl, par exemple, qui c'est une personnalité très importante dans le football haïtien, est-ce que Fiorda Scholl pas capable de faire mieux parce que il a l'habitude coach sélection, li connaît football haïtien, etc. Mais dans le cas de l'épine, il prend trop de temps pour lui faire changement. Et des fois, on pose la question, pour qui ça, c'est changement ça? Je vais vous exemple, c'est tout le match aujourd'hui. Le li rentre avec, le retire Rose Loborjula, et le rentre avec Roselyne Eloisin. Je n'ai aucun problème avec Roselyne Eloisin. Ou bien dit tout, est-ce que c'était le meilleur changement? Parce que là, je vois un match côté que nous avons besoin de sécuriser Green Ball loin, nous besoin de sécuriser qualification. Le meilleur bagage qui était pour faire là, c'était faire un changement stratégique.
Côté que moi capable retirer une joueuse offensive, moi rentrer une joueuse qui là pour non seulement mettre pied sur ballon mais participer dans ça qui permet que nous kebes score là pour nous joindre qualification. Donc sous connecte pour de l'épine, moi crois que sélection ça mérite mieux. Sous regard de Chili, c'est vrai pas un moment yo t'es capable de mettre nous dans une situation inconfortable. D'ailleurs, dans la première période, là, yo première grosse occasion que yo jouen, yo coup franc sur côté droit là, qui t'es capable et faire mouche, ballon qui allait dehors. Sous pendant fin match là, il y a une super frappe qui fait et yon arrêt qui frappe dans bas transversal là, avec yon arrêt spectaculaire de Kerli Teus. Kerli, c'est quand même gardien ça qui prend échelon, qui quand même est fait classé dans le football haïtien. Pas oublier, c'est Kerli Teus qui était dans le camp pour Haïti dans la Coupe du Monde 2018, qui t'a fait dans le pays de la France, Coupe du Monde des moins de 20 ans. Kerli Teus était très bon. Il montrait clair que le n'a parlé de gardien haïtienne, li pas l'autre que li. Malgré que problème avec l'encore, malgré aucun problème avec l'autre. Mais les gars expérience là, les gars flair là, les gars dimension là, les gars habitude là. D'ailleurs, il fait classe dans le football haïtien. Il était là dans la Coupe du Monde et des mois de 20 ans, le Haïti était battu équipe et Canada pour la jouer la Coupe du Monde dans le pays de la France. Donc, si vous regardez Chili, oui, Chili était ballon, mais ballon pour faire qui ça? Ça veut dire que c'est pas une équipe qui était tellement forte techniquement qui était capable de mettre Haïti dans une situation extrêmement et difficile. Ou ouais que c'est Haïti qui pas véritablement gagné contrôle et match football là et c'était voulu. Il était conforme vitesse avec précipitation. Parce que par moment on dit tout pour qui ça nous pas capable mettre ballon en tête pour jouer au football. Parce que sous prend par exemple une équipe football qui gagne Jennifer Limage qui gagne Neriya Mondésir qui gagne Batsheba qui quand même gagne Melchidel Dumoné. C'est quand même une équipe football qui gagne potentiel pour le mettre ballon à tête pour le football. Parce que nous pas parler de on série de joueuses qui pas dans le monde professionnel là. On a parlé quand même d'un série de joueuses qui a joué dehors, qui pas joué en Haïti, qui des matchs compétition qui a joué dans championnat et français et Arkema, qui gagne habitude. Qui a l'habitude qui a joué football professionnel. Donc, moi, je crois que nous te confondons vitesse avec précipitation. Nous avons un ballon tout le temps, et vers l'avant. Alors, que l'équipe qui a joué contre nous, c'est pas une équipe qui t'a asphyxié nous physiquement. C'est pas une équipe qui t'a empêché nous jouer football. Mais c'est nous-mêmes qui est pratiquement empêché tête nous jouer football. Je parle du sélection haïtienne. Comme il a, on prend Oslo Borjou là. Moi, quand que sous garde Oslo Borjou là, li banou ça qui relé point d'ancrage là. On parler de Oslo Borjou là, li connait jouer football. D'ailleurs, sous prend passe ça sous appel de balle en profondeur, prolongement, action et Melchi du Monéa, c'est lui-même, n'a pas de Oslo Borjou là qui connecté avec Melchi pour goal ça. Mais maintenant, dit que son goal que Melchi pratiquement créé, li fait goal là non. Yon un qui est extrêmement fermé, lui fait un contrôle pour moins de 3, mais il est tellement rapide, il est tellement puissant, il est arrivé à faire croiser dans le canon qui allait calber dans le canon de distance, on a parlé de Melchidel Dumoné. Mais Soupran et Ouzlo joignent et Goldbrick là. Bonheur dans la deuxième période là. Il joignent Goldbrick là et il confond vitesse avec précipitation, on a parlé de Ouzlo Borjou là. Effectivement, il baille et pour le cage là. Effectivement, où est que les connus jouent au football, les bails pour le cage là, les jouent de temps en temps de manière très intelligente. Mais les pas toujours lucides, les vivaient dans zone de rupture là. N'a pas de Oslo Borjou là. Les pas toujours lucides, les vivaient dans zone de rupture là, n'a pas de Oslo Borjou là. Donc, sur le match d'hier, oui, équipe chilienne fait goal qui est jusqu'au là, mais c'était quand même un match football, même en termes de contenu. Nous pas tellement produit un gros football en termes de contenu parce que dans pile et précision, nous quittons ballon dans mes équipes chiliennes. Nous nous piquons devant, pendant que nous pas contrôler le match football là, techniquement, alors que nous avons talent pour nous gagner supériorité technique là que yo.
Mais l'équipe Chili, en tout, ce n'est pas une équipe qui était extrêmement dangereuse. C'est une équipe par moment. D'ailleurs, qui force Chili. Chili montre clair que c'est longue balle, c'est sous coup de pied arrêté, ou bien frappe à longue distance que est capable de faire mouche. C'était ça. Alors que nous-mêmes, sous tous les deux goals sélection haïtienne dans le même fait, c'est quand même deux goals, l'école, deux goals talent. Premier goal lancé quand même un goal talent. Faut qu'on joue football en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Et pour faire goal ça. Deuxième goal là, c'est pas ça. Dosaï ça sur côté, gauche là de Nerilia Mondésime. Nerilia qui a raté penalty. Et dans le match football, ça qui est capable de mener Haïti à 2-0 dans le match football là. Maintenant, bon, bah, que moi toujours dit. Moi, quand que mon qui. Moi, qu'on est. Clair que l'homme dit un bagaille, il prend des gens qui sont capables de prendre, soit où est-ce qu'il est dans le contexte, là, et, ou bien en fond l'autre bagaille. Moi, je crois que le meilleur joueur dans cette ligue de shoot de pénalité dans Haïti. Je dis là, il y a un monde de différence entre Melchi Daniel Dumoné. À toute l'autre joueuse qui est en attaque pour Haïti. Là, nous avons des ambassadrices, des personnalités iconiques. Côté que nous parlons de parti social tout à l'heure. Nous faisons des ambassadrices. Des gens qui mettaient Haïti haut pendant Haïti très bas dans les yeux internationaux. Mesdames, ça, vous paquet pas causé, oui. Mesdames, ça, vous c'est un paquet en groupe icône. Mais, nous d'accord, dans toute équipe de football, gagne un groupe joueuse ou bien un groupe joueur qui est plus bon qu'on l'autre, qui est plus sport, là, qui est beaucoup plus de visibilité. Je dis là, image football haïtien, c'est Melchi Daniel Dumoné. Autrefois, c'était Nerilia. Nerilia, c'était plus bon joueuse Haïti et avant éclosion et Melchi Daniel Dumoné. Moi-même, je ne vais pas clé sur ça. Plus bon joueuse sélection haïtienne, là, c'est Melchi. D'ailleurs, je ne sais plus quand je vais tout. Lui fait plus gros exploit que yo. N'a parlé quand même d'une joueuse qui a joué dans Lyon. N'a parlé d'une joueuse qui prend distinction, meilleure jeune joueuse au monde. N'a parlé quand même d'une joueuse qui tellement gravit échelon. Lui te fait partie de meilleure jeune joueuse championnat de France saison dernière. Lui prend joué dans Lyon. Lui signe un contrat avec Adidas. Donc, plus bon joueuse Haïti, c'est Melchi Daniel Dumoné. C'est pas Nerilia à mon désir. Et moi, dans ce sens, ça, c'est lui qui doit shooter pénalité. Est-ce que c'est shooter le pas qu'à shooter pénalité? Effectivement, il t'a shooté pénalité. Moi, je n'ai pas aucun problème. Je ne vais pas rentrer dans pour ne pas prendre ça pour aller mettre le dans un face à face Melchi avec Nerilia. C'est pas là l'idée. Moi-même, moi constaté que un joueur, je constaté que le joueur sacrifié Melchi et Nerilia m'ont dit, il est baissé. Baissé. Et imaginez-nous une seconde, pas oublier, non? C'est Nerilia Mondésime qui est allé en France avant. Il est allé dans Montpellier. Melchi tente plusieurs années pour y aller pratiquement et en France. C'est Nerilia qui est en France avant. Moi-même, moi crois que Jodian, c'est quand même une joueuse qui baissait. On a parlé de Nerilia Mondésime. Nerilia Mondésime baissé. Et niveau production que l'on a gagné dans le temps à la sélection nationale, là, n'a pas gagné même niveau production depuis quelques temps et avec Haïti. Nous avons eu Nerilia Mondésime contre Canada, non, contre États-Unis. Nous avons eu contre Jamaïque. Nous avons eu contre États-Unis. M'a parlé de joueuse qui baissait. Parce que autrefois, c'était une rigole. C'était joueuse ça qui t'a fait goal. C'est pas pour ça raison que était une rigole. Mais m'a constaté depuis quelques temps, parmi ces lui-même qui était allé en France en vain, depuis quelques temps, lui baissait considérablement. Donc de ce fait, s'il baissait considérablement depuis quelques temps, avec dimension pratiquement Mr. Dupont Joseph, dimension pratiquement le monde de Melchi Daniel Dumoné prend et il montre clair que c'est lui-même qui est bon